À table d'information, je compte à casser le compte. Ma information, je compte à casser le compte. Bébé de. Moi, la dos. Ma information, je compte à casser le compte. Hier, Nicolas Table, mes informations, je compte à casser le compte. Nicolas Table, il y a ma bouillon, mes informations, je compte à casser le compte. Il y a des audios, il y a des audios, chers amis. Inès Ngani, vous n'êtes pas les liés. Les bébés noirs, je vous ai dit. Je vous ai dit. Nganabino. Vous allez écouter les audios. Est-ce que vous vous souvenez de du guerrier qui était sorti, Djouf, qui a eu à faire des vidéos avec Jacques Sokouya, qu'on surnommait Lucifer. Vous allez écouter les débats qui ont lié dans ma famille, qu'on bébé moigna ou nzokomba. Moi, je récupère toujours parce que je suis le centre d'information. Les affamés. Les affamés, moi aussi, ça va réunir à Sico. Nanami Tchopo. Hein? Nanami information, Nabino Gaboye. Nanamoga Gaboye. Togotikate. Désolé, là, il y a une table d'information. Ils ont compte. Partagez, chers amis. Ma fille. Après, le papa avec le tampon. Tanata Goulous. Fermez-moi la porte là, le chauffage là, c'est. Kibala. Mes formations, ils ont compte à cac, Vas-y, bateau. Papa, n'a qu'à voir une dogue dans le barreau. Nabana bango Bazal Nazali bango babete la libaku. Sassou n'a été pas reçu. Sassou n'a été pas reçu. On n'a pas changé, t'inquiète pas. Sassou n'a été pas reçu comme Félix Tshisekedi. Voilà. Papa selfie. Voilà. On l'a mis là-bas photo. Les autres, ils ont eu un travail. Ils ont eu des journées de travail. On a vu des photos. Je vous ramène les informations là. Ma fille est en train de danser. Ah là 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 là, ma pression est en train de danser.
comme Congo Boko. Congo Boko. Espérance. La reine Congo. Il y a Congo Boko, non? Congo Boko. Congo Boko. Congo Boko. Congo Boko. Congo Boko. Très bien. Tu peux danser. Danse, danse, danse. Congo Boko. Congo Boko, allez. Danse, 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 danse. Congo Boko. Allez, danse. Congo Boko. Ah là 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 là, c'est formidable. J'encadre mes enfants. La manière nanga, na di kulu nanga. Abin la banzem babu nzambe. Eh. Ah, 22h sur 24 ici, les chansons religieuses. Congo Boko. Ah, comment? Votre canal y a-t-il vraiment? Apprenez vos enfants vos langues maternelles, paternelles. Apprenez vos enfants vos langues. Faut que moi vous bonsoir. Le mouvement des affamés est dissous. Il n'y a plus les mouvements. Déjà, ce n'était même pas enregistré. Bah, vous soyez boué. Ça. Tonda tondele, tonda tondele. Identifier les autres, identifier les autres. Nous, c'est bien, on a ni goût, il y a pas audio, hein. D'abord, c'est bien, on a audio, mais on peut d'abord identifier. Kindo kinaki bonzambe, motema, mopanga, idéal. Kindo kinaki bonzambe. Nous avons un goût avant goût. Nous avons un avant goût. Quand tu as téléphone, mais sache une chose que toi tu deviens fou. Yo il bouma. Tu n'es plus normal. Oui, mon dali bouma. Du moment où je te dis que non, tu es rejeté d'office dans cette famille. Tu es rejeté totalement. Oui, mon dali bouma. Oui, c'est normal. Oui, nali bouma na mutuna. Il attend mon kenya qui cobre la famille. Mon tétina va y. Ouais. Bon kaboula. Hey, il a bon ma faille ni haut. A ça la gagne ni ni. La vie de nous la table, du coup la table, la haut lia information et coti, la sa souni, la haut lia bouillon pétou. Moi bouillon, madame, Azali la haut lia information et coti. Donc même la réunion. Réunion voilà, vous savez bien que je vais aller affronter quelques enfants maudits de Bernard Collet là. En fait, que les gens ne généralisent pas. Quand je parle des enfants Collet là, c'est parce que cette majorité qui ont vendu leurs frères, cette majorité qui ont accepté le pouvoir criminel de Brazzaville. En vendant leurs frères aujourd'hui, croyaient être députés ministres reconduits. Yoyi, ils ont comploté pour qu'on arrête Faye. On est venu me soulever chez moi devant ma fille. Devant ma fille de 2 ans.
Si vous comprenez, minoter. Devant ma fille de 2 ans. Est-ce que vous comprenez? Devant ma fille de 2 ans. Vous voyez le traumatisme? Ok? Et ils croyaient qu'ils allaient finir. Faibasi la kanaïté. Fayamo limo. Je suis le fils de la promesse. Mon abilaka. Aujourd'hui, ils croient pouvoir faire de l'argent. Florence Massouama, bonsoir. Aujourd'hui même, je pense même que les gens de UDH Yuki, ils devraient se mettre devant, debout, en dénonçant, en faisant des vidéos. Les gens de UDH Yuki devraient se mettre debout pour dire que non, l'argent de ton avocat, les 1500, on prend en charge. Ok? Mais comme la majorité des gens de ce UDH Yuki, ce ne sont que des corrompus. Pour la plupart, ce ne sont que des corrompus. Aujourd'hui, on est obligé, parce que je ne suis pas seul, de souffrir moralement. Vous avez vu, je vous ai parlé d'ici. On veut me donner de l'argent. Je ne veux pas de l'argent de Brazzaville. Ils veulent solder en me donnant de l'argent, en m'achetant la maison. Je ne veux pas de l'appartement venant de ce pays, de cet argent sale. Je leur ai dit et je dis devant le public, encore je prends l'opinion nationale et internationale à témoin. Si pour eux, ça leur dérange que je parle de 36 000 euros, ils peuvent solder les 36 000 euros. Ils n'ont même pas besoin même de mes avocats. Ils n'ont même pas besoin de ceux-là qui veulent leur faire comprendre. Attention, moi, tu ne peux pas mettre ta tête ici. On ne doit pas te voir, s'il te plaît. Tu comprends? Il y a des petits démons, des petits sorciers qui n'aiment pas les enfants. Ma fille? Oui. Merci. Oui. Tu rigoles, hein? Papa va. Oui, mon bébé. Et t'appelles Baba Va, le Toba, le Toba, et t'appelles Baba Va. Oui, tu m'appelles Baba Va, moi, ça je sais. Donc je disais encore, je répète ici, mettez-moi les cœurs. Donc je disais que ma fille m'a couper le fil d'idées. On était au même. Ma fille m'a coupé le fil d'idées. Mmh. Ouais. Donc, ils veulent me donner de l'argent. Ils veulent m'acheter. Ils veulent qu'on discute. Lara Armani. Je leur ai dit. Vous savez tous ce que les Congolais demandent, ce que le peuple demande, ce que les vrais, le noyau dur de la résistance demande. Ok? La première des choses, même avant qu'on puisse parler avec vous, vous devriez déjà réfléchir à libérer les prisonniers politiques. Ça, ce sont des signes qui prouvent combien de fois que vous avez besoin d'apaiser les cœurs des Congolais. Déjà ça. Mais tant que vous ne le ferez pas, nous, on ne on va jamais croire à votre sincérité parce que on a eu plus de 6 dialogues. Plus de 6 dialogues, ça n'a abouti à rien que dalle. Ok? Aujourd'hui, je sais très bien que vous cherchez à me rencontrer. C'est pour me salir. C'est pas pour me faire des cadeaux. Même si, à la fin, je veux peut-être refuser l'enveloppe que vous allez me tendre. Mais c'est pour dire, pour faire fuiter l'information comme quoi Faye s'est vu avec tel ministre, avec tel colonel, avec tel général. Je sais la méthode que vous appliquez pour salir les gens. Ok? Donc, je vous ai dit clair et net.
Le souhait du peuple congolais, c'est d'abord la libération. Et quand je parle comme ça, je parle avec des témoins et les gens savent. Et puisqu'on est des grandes personnes, on est des gens responsables, on ne peut pas venir citer les noms des gens ici. Et vous êtes au courant de ce que je dis et ce que vous, vous savez de ce que moi je pense et ce que nous pensons de ce régime dictatorial de Brazzaville. Sassou, même s'il vit à Paris non événement, me dit même qu'il a atterri, mais ça, je n'ai pas encore vérifié. Je ne peux pas vous confirmer là. Ok? Mais c'est non événement parce que. Sassou, là où il est là, il sait très bien que non. Tu veux quoi, ma fille? Va chez maman, quoi. Va chez maman, moi je fais ma vidéo de quelques minutes. Va chez maman, s'il te plaît. Bonsoir, maman Céline Conco. Donc, c'est non événement que Sassou prenne la photo, fasse ses selfies avec Balden. Joe Balden, ça n'a pas de sens, ça rapporte rien dans la vie des Congolais, ça change rien dans la vie des Congolais. Raison de plus, même la monnaie, la nouvelle monnaie, les gens ne veulent même pas utiliser. Donc les gens, tellement que sur des vrais sujets, ils ne communiquent pas. Vous avez vu la vidéo. Bon, tu as ta maman qui est là, tu as ta maman qui est là. Colle ta maman, colle ta maman. Ah. Tiens, va chez ta maman s'il te plaît. Colle ta maman. Je sais pas ce qui va dans le monde. Nana, il me colle à bas si me va coller. Il va bouiller, mais il est haut vraiment. Colle ta maman. Ferme-moi la porte. Ferme-moi la porte. Ferme cette porte, s'il te plaît. La reine Congo, ferme la porte là. Ferme cette porte, s'il te plaît. Celle-là, 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 la première là. Donc voilà. Donc, pour être bref, c'est que moi aujourd'hui, ils le savent, et je le répète toujours, j'ai pas besoin de cet argent. Oui, oui, Kakaba selfie. Lui, Kakaba selfie. Vous verrez même les photos de Félix Tshisekedi et les photos de Denis Sassou Nguesso. Il y a une grande différence. Mais Félix Tshisekedi vient voir le pouvoir. Sassou a fait 40 ans. Au temps normal, la personne qui devrait être reçue dans le luxe. La personne qui devrait être reçue dans le luxe. Ferme-moi la porte, s'il te plaît. Prends la petite là. Prends l'enfant, s'il te plaît. Prends l'enfant. Prends la bouteille d'eau. Tiens. Prends. Va avec maman là-bas. Tiens. Tiens. Va avec. Va avec. Merci. Va. Qui m'a envoyé la demande là? Donc, je disais que la personne qui devrait être reçue dans ce genre de prestige, c'est Denis Sassou Nguesso et non Félix Tshisekedi. Vous avez vu Denis Sassou Nguesso juste pour la photo, comment sa délégation l'a entouré, comment sa délégation, c'est-à-dire c'est étrange pour eux. Alors que le jeune Félix Tshisekedi qui vient d'avoir le pouvoir, il ne force rien, c'est-à-dire c'est, il ne force pas. C'est naturel. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Sassou, la façon qu'il y a eu que ça se sonne. Et quand je parlais là encore, oh non, il ne respecte pas le chef des dettes. Hein? Vous avez vu aujourd'hui qu'il y a des étudiants boursiers congolais au niveau du Maroc qui vont rentrer au Congo, que le gouvernement irresponsable de Coline Makoso va rapatrier ses étudiants au niveau du Congo. Ils vont rentrer sans diplôme. Ils rentreront au Congo sans diplôme. Pourquoi? Ils ont fini les études. Le Congo doit encore les universités. Alors que les Sassou ont eu l'occasion, ont eu la chance que l'État congolais les a... Le Congo les a donné tout ce qu'il faut. Même les ministres, les Ngakoso, là, le Congo les a donné tout. Aujourd'hui, ce sont des ministres des Affaires étrangères. Le Congo les a donné tout. Mais à leur tour, comme ils sont contre
le développement. Ils sont contre les intellectuels, ils sont contre les cadres, ils sont contre les gens qui peuvent développer ce pays. Qu'est-ce qu'ils font? Les jeunes vont rentrer au Congo sans diplôme à la main. Ils ont fini leur cycle universitaire sans diplôme. Et ils sont contents en train de filmer ça, en train de montrer les parents de ces élèves, de ces étudiants qui sont bloqués au Maroc, que l'État va faire rapatrier au Congo sans diplôme, quoi, tranquille. Ça ne dérange personne. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils font? Ce régime illégitime de Brazzaville, là, aujourd'hui, par le vol de Air Ethiopia, ils ont fait débarquer 10 personnes qui reviennent du Congo pour la France, pour rajouter, pour renforcer la sécurité de Denis Sassou Nguesso. Pour vous dire combien de fois il a peur dans sa tête. Combien de fois, même l'entourage, là, la gueule qu'ils font là, ils ont rien, ils savent. Le petit Bokilo, au tribunal de Versailles, avec le procès de Roland Lévy-Nitou, il était incapable de donner son adresse. Vous voyez un peu? Mais nous, quand on vient, moi, je suis passé pratiquement plus de 123 fois devant les tribunaux. J'ai toujours donné mon adresse. Maman, non, elle me fatigue. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour vous dire quoi? Ils ont la peur. Ils ont l'argent, ils ont des hommes, ils ont tout ce que vous voulez. Mais ils ont la peur en eux. Ils savent que non, sur ce territoire-là, sur ce terrain-là, le terrain est conquis pour la diaspora, le terrain est conquis pour ceux-là qui ont fui le Congo. Mettez-moi les cœurs. La France, c'est la terre de la résistance. De la même façon que les Français ont résisté, c'est de la même façon que nous aussi, les Congolais, en train de résister en étant sur leur territoire. Le général de Gaulle s'est réfugié au Congo-Brazzaville. Il a demandé à ses compatriotes de se mettre debout, de résister. Nous aussi, en étant en France ici, on se met debout, on demande à nos compatriotes de résister en étant au Congo. Ok? Donc, Denis Sassou Nguesso, il a peur, chers amis. Si aujourd'hui, on a bousillé ce mouvement qui n'était ni enregistré, si aujourd'hui, il commence à vous parler de la Bible, il commence à vous parler le mois de décembre, c'est le mois de tentation, quoi que ce soit, c'est parce qu'on les a éduqués judiciairement et on continue le travail. Et j'aimerais dire aussi aux 10 personnes, aux 10 Congolais qu'on a ramenés sur la place de Paris, faites attention parce que ce terrain-ci, même Sassou si lui-même il a peur, vous, on peut vous envoyer en prison. Demandez à Jean-François Ndenge comment on l'a fait fuir dans la prison ici. Hein? Boutou. En pleine nuit, on l'a fait fuir. Demandez à Kiki comment on l'a fait fuir ici, là. La France, là, c'est un pays de droit. Voilà. Nous-mêmes aussi, des fois, on est poursuivi. Est-ce que vous voyez? Donc, vous, les 10 qu'on est allé récupérer à l'aéroport, vous êtes venus par Air Ethiopian. On a tous vos noms, on a tous vos prénoms et ce qu'on a fait déjà, on a saisi. Quand on vous parle là, vous n'entendez pas. Après, c'est pour venir pleurer que Faye, c'est un sorcier. Alors que vous ne comprenez pas que derrière Faye, il y a des professeurs. Derrière Faye, il y a des médecins. Là, on était à la réunion. On a eu à faire une réunion. Est-ce que vous comprenez? Mais vous ne comprenez pas, derrière Faye, il y a des intellectuels. Il y a des ouvriers. Il y a des commerçants, des mamans des Châteaux Rouges, des papas des Châteaux Rouges. Il y a du monde derrière, mais vous ne comprenez pas ça. Après, c'est pour venir pleurer. Oh, on a détruit la vie d'un tel. Oh. Donc, vous qui savez que non, vos parents, vos frères, que Denis Sassou Nguesso ou Ondaye et Dominique Okemba ont ramassé au Congo pour venir renforcer ce mouvement qu'on a mis par terre, on a dissous ce mouvement-là. Voyez-vous? Tout ce qu'ils font, on est au courant. Là, ils viennent de sortir de la réunion. La réunion s'est tenue à à Villiers-le-Bel. Je ne citerai pas le nom. Ça s'est tenu dans la maison, dans l'appartement des ministres de Denis Sassou Nguesso. Je ne citerai pas encore ton nom. C'est pour te dire, même toi, on t'est à l'œil. Voilà, de la façon que vous croyez que vous nous surveillez, c'est la façon là que nous vous surveillons et nous mettons nos peu de moyens pour vous contrôler. Le jour que vos microbes à vous là, vos bébés noirs vont oser de faire un petit truc, qu'on repère que parmi eux il y a eu vos microbes, vos enfants, comme dit Maître Sylvain Senda,
que les enfants que Dominique Okemba est venu reconnaître ici. Ah! Ah! Écoute, tardé-té! On est allé camboter que non! Écoute, tardé-té! Parce que n'est-ce pas que vous avez ma parole, n'est-ce pas que vous avez ma parole, n'est-ce pas que vous avez ma parole, n'est-ce pas que vous avez ma parole. Nous, on n'a pas un problème avec vos familles, mais on vous dit, on vous répète ici, là. On connaît vos mouvements, on surveille vos mouvements. Je répète ici, hier, vous avez fait votre réunion, on vous a dit la date du jeudi. Ok? Aujourd'hui, vous avez déplacé votre réunion, ça s'est passé à Villiers-le-Bel. Et là, vous êtes en pleine route, en train de rentrer chez vous. Et peut-être derrière vous, vous avez nos amis, nos camarades de la France aussi qui sont derrière vous, qui nous donnent des informations au moment que je suis à table en train de manger. On me donne l'information. On nous donne des informations. Est-ce que vous comprenez? Donc, même toi, le ministre qui a reçu ces voyous, dis-toi que non, on te met déjà. Sur nos carnets, sur nos agendas, parce que on s'est calmé, on veut plus la violence, on parle de l'amour, voilà, mettez-moi le cœur. Joy Clay est vraiment menacé. Hein? Donc, on va aller vite faire. Je vous parle déjà de ce qui se sont dit. dans leur dernière réunion. Florent Ndaye, je te prends parce que je suis à table. Florent Ndaye, on vous a dit qu'on vous contrôle. Voilà. Moi, enfin, je vous ai dit, je n'ai pas besoin de votre argent. C'est tout à fait normal que je dénonce ce qui ne va pas. Ok? Si ça vous dérange, vous pouvez solder cela en voyant juste un courrier au niveau de la justice française, au niveau des tribunaux de Paris. Et vous soldez. Moi, je n'en parlerai plus. À bout, il y a même l'argent. Prendre l'argent. Moi, je ne veux pas. Récupérer votre argent déjà, même sur les 1500 euros. Il y a des compatriotes qui m'appellent, il y a des mamans, des papas qui m'appellent. Enfin, tiens 10, tiens 20, 30, 30. Et je sais que d'ici avant le 3, je vais solder les 1500 euros et je serai défendu par nos avocats, par mes avocats. Bref, je reviens directement pour vous dire combien de fois on gère vos informations. La réunion s'est tenue à Villiers-le-Bel ce soir. Donc là, vous êtes dans des trains, dans des métros, en train de rentrer chez vous. Vous êtes sans ignorer peut-être avec nos amis aussi derrière vous. Ok? Donc, on vous contrôle la distance, mais je suis en train de manger. Ça s'est tenu dans la maison des ministres. Voilà, je ne donnerai pas plus de détails parce que on va avoir l'œil sur vous. Voilà. Donc, Matou Samuel, papa son chéri, a demandé à Florent Ndaye. Matou Samuel, papa son chéri, dans son programme, parce qu'il voulait narguer encore une fois de plus les Congolais, il avait proposé à Florent Ndaye d'être celui-là qui va ramener ce bouquet de fleurs à l'aéroport quand ça se va descendre de son avion pour lui remettre ce bouquet de fleurs et pour embrasser un peu Denis Sassou Nguesso pour narguer cette diaspora. Et Florent Ndaye, comme c'est un escroc, lui aussi, il a eu déjà son, vous le savez bien, c'est le patron des Sassouistes, il a eu à escroquer ces jeunes Sassouistes. Donc il a quitté Brazzaville, les jeunes des Sassouistes ont compris, les autres sont devenus le Ismaël Ngatse qui est devenu journaliste, qui fait d'ailleurs un bon travail que je salue à distance, même si il avait acclamé, j'ai vu des commentaires, j'ai vu comment il était content quand on avait agressé ma mère.
J'ai vu, j'ai encore des captures d'écran dans nos groupes, dans nos cellules de travail. Voilà, mais au moins je le salue de son travail qu'il a eu à faire, qu'il a eu à bâtir, qu'il a eu à démontrer en allant filmer l'école, je pense qu'il est vers... c'est dans le pool, mais j'ai oublié un peu le nom. S'il te plaît, va dans la chambre. Oh, va dans la chambre. Bisous, je t'aime, mon bébé. Va dans la chambre. Va parler avec maman. Donc, du coup, je te salue. Donc, Florent Onda était le patron de ces... Les Sassouistes, là, il les a escroqués de l'argent. Il les a bouffés de l'argent. Il y avait aussi maman Nyanga Blanc Blanc. Elle aussi, elle avait escroqué parce que c'était un peu... Les... Comment on appelle? Des écuries, quoi. Voilà. Et Florent Onda, il marche à l'image de Elvis Okombi Tchalisson. Lui, il veut... dépasser ce que Elvis Okombi Tchalisson avait eu à faire. Donc pour lui, il se dit Elvis Okombi Tchalisson avait des amis. Vous avez tous vu, nous avons tous vu Elvis Okombi Tchalisson qu'on accepte ou pas. Il avait quand même pu avoir des amis, des Dijon, des moutards de Dijon. C'est ça, non? C'était ça qu'on a pu, on avait surnommé, non? Dites-moi. Moutard de Dijon, non, c'est ça, non? Où nous avons vu Elvis Okombi Tchalisson essayer un peu de regrouper quelques gens de la diaspora. Il a eu même à organiser avec certaines mamans de la diaspora en les attirant vers la dictature. Comme on le dit toujours, on n'améliore pas la dictature. Peu importe de ce que vous allez ramener comme proposition dans une dictature, ça va jamais s'améliorer. Il n'y aura pas le changement. Voilà. Donc du coup, Florent Onda, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, mais vas-y maman. Voilà, mon thème, mon panga, voilà, il y avait tout ce monde, il y avait tous nos doyens là, donc voilà, même si aujourd'hui ils font déco, l'Andro déco que je salue de loin, il fait un bon travail, vous avez vu, il y avait nos doyens Marcus, qui ça, il y avait nos doyens Alain Makaya, il y avait beaucoup de monde, il y avait des mamans qui étaient tout autour de Tchalisson sur la même table en train de nous ramener un peu une histoire. Oui mon bébé, tiens, moi il faut la fille à tétine, va prendre la tétine, va. Ah la faille, tu as ta maman, tu as ta maman, ça me fait au moins la cola, papa, tiens la tétine, allez, vas-y. Mais attends, je vais te mettre la télé. Maman a gagné. Reste là maintenant, reste là-bas, suis vos lélés. Je ne sais pas si aussi vos enfants aussi Bakola Abino quoi, parce qu'il y a un gars vraiment c'est. Je vous jure que. La dernière là. Oh non. Bref. Donc, Florent Onda, mettez-moi les. Ah, mais je te dis, elle, Bueno, mais laisse tomber, mais celle-là, mais elle s'est abusée, elle s'est abusée, c'est... Oui, je sais, mais elle s'est abusée, les frères et sœurs, vraiment. Donc, Florent Onda a toujours voulu être à la place de Okombi Tchalisson, parce qu'il faudrait le dire que... Okombi Tchalisson est venu avec une vitesse, non, moi, mon pépé, mon corps. Il y a qui a bien été même dans la diaspora, même au sein de leur régime, quand il est rentré au Congo, quand même il faut le dire, il traînait des foules du monde derrière lui, donc ça fait ce qu'il était ministre, député, et à Pafouki Mbalamoko, à Pafoukaki Mbalamoko. Donc, Florent Onda, il peut faire tout ce qu'il veut, on peut lui donner des millions qu'il veut,
On peut lui donner des euros qu'il veut. C'est un criminel. Il a déjà le visage des gens. C'est-à-dire, Yakamba Mbango Biero Futamana Brazzaville. C'est-à-dire, il cherche à être sérieux, à être un homme responsable. Ça ne marche pas. Tu vois son visage, tu comprends que celui-là qui te tient la nuit te gorge. Est-ce que vous comprenez? Bref. Donc, Florent Ondaï, en comprenant déjà que Matou Samuel, papa son chéri, en lui demandant cela, souvenez-vous ici encore, Matou Samuel, papa son chéri, a eu des problèmes avec l'orchestre Nouvel Horizon, parce qu'il voulait être celui-là qu'on devrait donner de l'argent, qu'il puisse prendre des petits, c'est-à-dire sa racaille des cités, pour faire la sécurité, pour montrer que non, lui, il gère Paris. En fait, lui veut donner l'impression qu'il gère Paris. Est-ce que vous comprenez? Une fois que l'orchestre Nouvel Horizon avait refusé de lui donner la sécurité, il a fait ça un problème. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, Florent Ondaï, en étant un maître de l'escroquerie, lui-même un père d'Atalak ou un bébé noir, comme a dit Motema Mopanga, Matou Samuel, papa son chéri, alias Rostel Bakwa, demande d'être la personne qui va recevoir Denis Sassou Nguesso quand il va descendre de l'avion pour lui remettre un bouquet de fleurs. C'est-à-dire, il va parler, il va dire, papa, moi j'ai des problèmes, on m'a chassé de la maison, regarde aujourd'hui, Faye Chak direct, il parle que de ça, tout et tout, moi on m'a chassé de la maison à cause de vous, et mon père aujourd'hui, il est malade, avant il vivait au centre-ville, on l'a chassé au centre-ville, aujourd'hui, il est vers les Choumoudieu, après le pont du Dieu là-bas. En voyant ça, il dit, le petit là peut être dangereux. Une personne qui a escroqué même les Tony Moudilou, celui-là, mon oncle que je salue, que je respecte, qui se prétend être aussi un avocat. Il a escroqué celui qui se prétend être un avocat. Est-ce que vous comprenez? Il a escroqué les Macomé, donc ils étaient dans un gouvernement d'exil. Il a pris tous ces papas-là. Il a pris les Momo Makoso. Il a pris tout ce monde-là. Il a pris les Ovadou, le Kabri Yima. Il les a escroqués tous et toutes. Il a escroqué l'autre aussi, à qui lui reçoit 120 000 euros. Il lui donne 700 euros et la personne encore, dans les 700 euros, l'achète encore du kebab. Niveau escroquerie. Donc, Florent Ondaï, il regarde comme ça, il dit, tiens, non, mais le garçon est dangereux. Florent Ondaï a refusé que ce garçon, ce minable, le sacrificateur des femmes, puisse être au devant de la scène. Il a refusé. Florent Ondaï, Machasuka, ils se sont... Au fait, la discussion est terminée par ce sujet-là. Ils se sont chamaillés sur ce sujet-là. Parce que Florent Ondaï n'a pas accepté. Parce que pour lui, c'est lui qui devrait ramener ce bouquet de fleurs devant Sassou quand il va arriver à l'aéroport. Voilà pourquoi il disait, il y a quelque chose qui se prépare. Il n'y a rien qui va se préparer, ni demain, ni après-demain. Ce qui s'est préparé, c'est qu'on a fait de notre mieux qu'on te chasse de la maison. Qu'on puisse sceller ton appartement. Et je t'avais toujours dit, si tu veux me défier, depuis le 24 novembre, je t'avais défié, avec votre collectif, va grimper derrière les fenêtres. Je ne sais pas comment tu vas rentrer pour faire le direct là-bas. Que tu nous montres ta maison qui a tous les trucs de Turquie, là, on saura qu'on t'a chassé. Donc, personne, tu n'es plus crédible. Et j'avais dit ici, là, même. J'avais dit même ici, là, que ils vont te chercher, ils vont te créer, comme ça, c'est créer des postes. Ils vont te créer un petit boulot dans lequel ils vont commencer à te payer. Et s'assurer la sécurité à l'ambassade. J'avais dit ça ici. Toi-même, tu es venu avouer dans le direct de ta femme, Amadouso, que tu passes tes journées à l'ambassade en train d'aider les Congolais pour le passeport. Tu peux rien faire. Tu ne peux aider personne. Les gens de l'ambassade, ils ont la colère contre toi. Écoute ce qu'ils disent.
Il dit, ah, Petuana faille, Petuana faille, ah, Petuana bon, hein. Donc, Petuana, on va dire que vrai, donc, on va créer moi, bon, moi, quoi. Aïe, vous télé, ma va foutre avec moi par moi, quoi. Ah! Mon Congo, oh, souga, souga, tu vas laisser Pelora au Kende. C'est ce qui se dit sur toi. Est-ce que Yuki? Est-ce que Yuki? Est-ce que Yuki? Vous comprenez, hein? Saloba, tu as un couteau. Et Zanga chauffage. Ma lille, les mauvaises. Tu finis tes journées le soir. Vous partagez un petit sandwich. J'avais dit ça ici. J'avais dit ça ici. C'est-à-dire, moi, na poto. Oh, wesh, wesh. Tu es le seul wesh. Tu es plus que même. Tu nous insultes, les blédards. Mais tu es un toto, un zozo, comme dit Wage, le doyen Wage. Tu es un zozo des zozos. Père, ces âmes, là, tes femmes que tu as sacrifiées. Surtout là, celle la dernière là. Mais merde. Pas de pudeur. Tu l'as connue. Tu as reconnu sa grossesse parce qu'il devrait te donner de l'argent. Et tu vas faire ce que ça devienne ta femme. En étant enceinte d'une autre personne. Vous êtes séparés. Elle s'est mise avec une autre personne. La personne l'a enceinte. Tu as récupéré ta racaille encore. Pour aller braquer, voler dans la maison. Du pauvre monsieur, le grand frère que j'appelle. Grâce Nkodia, la menace. Celui-là qui t'a troublé la vie, qui t'a rendu fou, que toi tu as surnommé même le pasteur parce que tu as fait tout ce que les marabouts t'ont demandé, ce que ta mère a comme des trucs des marabouts, ça n'a jamais marché. Toi même tu l'appelles le pasteur. Est-ce que je comprends? Tu as voulu récupérer même sa grossesse. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. Père son âme, Dieu avait compris, même si tu l'as sacrifié, mais elle est allée se reposer, quoi. Hmm? Si les services consulaires fonctionnaient, normalement, tous ces minables n'existeraient pas dans la diaspora. Mais je te dis, mon frère El Bino, El Bueno, il y avait les Aporo Bouddha qui travaillaient là-bas. Est-ce qu'on voit encore les Aporo Bouddha? Non, parce qu'on leur payait à la main, ils ne sont pas reconnus. Si un problème qu'il arrive là, mais il n'est pas couvert. Il n'est pas couvert. Il n'est pas couvert. Et il avait eu l'audace de filmer même les agents qui étaient en train d'enrôler des gens. En pleine, la personne était devant son ordinateur. Quand j'ai parlé de ça, vous avez vu quand il est reparti là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a laissé dans le couloir, on l'a dit non, 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 pas question que tu viennes filmer, sinon tu bambo bambata, kili. Il était là avec leur porte-parole, que moi il s'appelle Anissé Ngoma, en train de filmer le couloir, tout et tout. On t'a demandé de filmer le couloir, va filmer chez toi. Tes vidéos, c'est seulement maintenant dehors, à l'ambassade. L'ambassade, c'est pas la maison de ton père, ni ta maison. Va filmer même chez ta mère. Ah, boy, c'est quoi ton problème? Bref. Donc Floronda a compris cela, il a dit le petit là, l'Ekilamael, Floronda n'a pas voulu le mettre à la portée, c'est-à-dire devant la scène pour recevoir Denis Sassou-Nguesso. Donc, et que kuna mwamba na niaou. Bon, c'est pour te dire combien de fois on maîtrisait Denis Sassou-Nguesso lui-même par peur, il sait que non, le mouvement est dissous, le mouvement n'est même pas enregistré, ok? Il a vu pour sa propre sécurité, parce qu'il sait que non, actuellement, c'est-à-dire ça peut péter à n'importe quel moment. Ça peut fumer à n'importe quel moment. Il a préféré faire venir ces dix criminels de Brazzaville jusqu'à Paris, qui sont venus par Air Ethiopian, qu'on connaît les noms et les prénoms, qu'on a saisi déjà des autorités compétentes de la France, parce que ici, c'est pas la jungle de Denis Sassou Nguesso. Ici, dès que vous décollez, on a vos noms, on a vos prénoms. Voilà. Ça, c'était le premier sujet. Parce que je dois manger. Faut réchauffer. Mabumu. Donc, il y a un blog à montrer. On a Zolia Mabumu.
Amadouso, Amadouso, au moins il y a l'obéla. Amadouso, au soko banzo encore au sala qui agitation. On emmène le dossier encore au niveau plus élevé. On a encore deux cartouches qu'on vous a réservées. Deux. Vous avez, on a encore deux cartouches. Donc tu te tais. Vous fermez vos oreilles. Faites comme le peuple brésilien. Bouffez l'argent là. Ne nous emmerdez pas. Voilà. Sinon tu vas commencer sur moi à me crier. Faye c'est sorcier. Faye c'est sorcier. Faye c'est sorcier. Hein? N'importe quoi. Passez là. Je vais vous mettre les audios. Vous allez écouter. Vous avez entendu notre frère, comment il s'appelle, Diouf, Ghislain Ingani, qui a eu à faire une sortie terrible. Merci, maman Thérèse Makumbu. Merci, maman chérie. Vous avez tous suivi ici notre frère Ghislain Diouf, appelé autrement pendant la guerre, Lucifer, qui a eu à faire des vidéos avec Jacques Sokouya, qui a eu à demander à Denis Sassou Nguesso réparation par rapport aux séquelles, par rapport à la déformation qu'il a eu sur son bras, parce que on les a utilisés, on les a récupérés, ils étaient des mineurs, ok? D'accord. Donc, du coup, ce frère aujourd'hui un peu malmené parce que Ignace Ngani n'est pas d'accord, la famille. C'est un peu, vous savez, dans ce genre de truc, une fois que tu commences à changer ton visage, bah, les gens se retrouvent derrière Denis Sassou Nguesso. Les gens sont devenus des ministres de Denis Sassou Nguesso. Et toi, tu veux te rebeller. Et toi, tu veux demander des trucs en montrant que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir criminel. Forcément, comme le cas de notre frère Destin Gavé, vous avez vu. On a pris son propre grand frère, on a mis devant pour venir l'attaquer. Et moi, quand je me suis mis debout pour le soutenir, vous avez vu, les gens ne croyaient pas. Moi, les gens m'ont appelé. Moi, j'ai dit, je connais. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Quand vous avez vu Destin Gavé venir expliquer, venir mettre tout à table, vous avez compris. Ok? Herman Mawoko, Mouta, je t'appelle dès que je finis le direct là. Donc, du coup, notre frère, parce que c'est un compatriote, c'est un Congolais, Diouf, Ghislain, il est d'Oyo, c'est un Moshi. Les Inès Ngani, on ne les connaissait pas, donc ce sont des gens-là, des Ghislain, Diouf, appelés autrement Lucifer, qui ont ramené ça au pouvoir. Vous avez tous entendu son histoire. Si vous voulez, on va écouter un peu. Et puis nous allons écouter les audios de ses parents, qui est en train de le menacer aujourd'hui, qui est en train de l'intimider au fait, parce qu'il a eu à dénoncer Denis Sassou Nguesso, il a eu à dénoncer le régime auquel il a servi, que ce régime-là n'était jamais reconnaissant envers tout cela. Et aujourd'hui, même Jean-Dominique Okemba cherche à éliminer la majorité des guerriers. Ça, il faudra qu'on le dise. Il a tué la majorité des fidèles qui étaient plus proches de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, les autres ont accepté de se taire, ont accepté d'être dans le silence pour au moins préserver leur vie. Mais ils le savent tous que non, la majorité ont été tués, même leur chef, qui était, Adoua, a été, a été empoisonné, assassiné par la même personne, Jean-Dominique Okemba. Nchourou, on l'a mis un dossier qui ne maîtrisait pas, qui n'était pas l'auteur. C'est qui encore? C'est Jean-Dominique Okemba. Dominique Okemba dans beaucoup de coups bas. Est-ce que vous comprenez? Accordez-moi juste une minute le temps que je fouille un peu la vidéo de notre frère. Et puis je vais vous mettre les audios parce que je vous ai lancé un peu des flashs ici là. Bon. Et merci au doyen Guima Fimba pour ses interventions. Et merci au doyen Guima Fimba du travail qu'il fait dans la diaspora. Vous savez, chers amis, chers compatriotes, il faudrait savoir reconnaître l'homme. On peut avoir nos divergences. On peut avoir nos points là où on s'entend pas. C'est vrai. Vous savez, nous,
On s'est pris la tête avec le Doegui Mafimba, mais il faudrait le dire. Même si aujourd'hui, on l'attaque, même si aujourd'hui, les gens de IDC Fourcrad et J3M, ils sont en train de lui de l'accuser d'être usurpateur, d'être ne pas être le représentant. Mais aujourd'hui, si celui-là n'est pas le représentant, qu'il nous montre le représentant, parce que c'était depuis des années, c'était Guy Mafimba qui le faisait. Vous comprenez? Il a ses défauts, il a ses qualités, il faudra accepter. Aujourd'hui, Guy Mafimba, du côté médiatique, du côté diplomatie un peu, c'est lui qui est là, c'est lui qui est là. Nous voyons les deux Ayatollah, il faudra pas qu'on nous dise après qu'on nous a encore... Quand on commence à nous adonner, comment dirais-je même, pour même Jimba gagner quoi un peu quoi, pour tout, et Doumou qui n'en ont plus quand même. Il faudra pas qu'on nous taxe ici là des gens tribaux. Non! Les gens, les Ayatollah, les Guy Mafimba, ils font le boulot. C'est eux qui représentent déjà. Mafimba a toujours représenté IDC Fourcrad et J3M ici depuis des années. Il le dit. Maintenant, si vous voyez que il fait plus partie de votre équipe, faites le propre mot. Arrêtez de vouloir ridiculiser des gens. Arrêtez de vouloir rabaisser des gens. Au moment que nous avons besoin des gens qui doivent monter au créneau actuellement contre Sassouela. C'est les Mafimba qui le font. Acceptez-le. Il passe dans tous les médias pour expliquer l'histoire du Congo. Il va dans des conférences, il va dans des trucs. Mais quand même, acceptons l'homme, respectons le travail de chacun de nous. S'il vous plaît. Je vous supplie quoi, je vous demande. Parce que on en parlera de la résistance, de l'opposition au Congo-Brazzaville. On en parlera. On en parlera. Aujourd'hui, le travail qu'il fait Ayatollah, chers amis, chers compatriotes, si on commence à l'attaquer, vous savez à combien de Mboshi, quand ils suivent Ayatollah, sont contents? Quand ils suivent Guy Mafimba, ils sont contents? Mais Guy Mafimba, il était toujours là. Nous avons vu d'autres parents, nos parents, Bakongo, changer de veste. Mais Guy Mafimba a tablé avec Florent Ndai, a mangé avec Florent Ndai. Mais Florent Ndai, il a parlé du dialogue, il a refusé de s'attabler avec Okemba. Ok? Mais nous avons vu l'oncle Tony Mudjilou commencer à vouloir faire des trucs en catimini. Je l'ai même appelé devant vous. Mais ce qui est... Mafimba n'a pas fait ce que Ayatollah n'a pas fait. Vous n'allez pas descendre le peu des personnes qui fournissent des efforts. Mais non. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il a ses défauts. S'il faudra arranger, s'il faut, to bongisa. Voilà. Dans un moment où on a besoin des gens qui doivent monter au créneau comme ça soit venu là. Ils étaient parmi avec les coachs Alexis. Tout et tout, ils ont signé même une pétition, je ne sais pas si, ils ont écrit une lettre, ils ont toqué, ils ont cherché des lobbies ici, là, pour bloquer. Voilà pourquoi Denis Sassou Nguesso l'a reçu comme ça aux États-Unis, on l'a pas reçu comme on a reçu Félix. Il y a eu un travail des colonels Simon qui ont lu le truc, qui ont fait le truc, ils ont envoyé des courriers, ils ont cherché des réseaux. Moi, je respecte. Respectons le travail de l'autre. C'est à partir de là que nous pourrons faire des trucs et chasser ce régime-là. Voilà. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Hein. La vidéo de notre frère Djouf, c'est où? Pour rappeler un peu les Congolais, parce qu'il y a des gens qui nous suivent ici. Nous avons combien de frères Mboshi qui luttent avec nous? Ils sont pas nombreux. Ils sont combien? Dites-moi. Ils sont pas nombreux. Donc, le peu qui sont avec nous là, qui n'ont pas accepté le pouvoir de Brazzaville, et moi je dis ici, je le répète ici, des vrais attaquants, la majorité d'entre nous, nous avons des numéros, nous avons des amis qui nous donnent des informations, qui sont du PCT, qui sont de ce pouvoir. Ok? Voilà. Quand ça va commencer, quand l'odeur du PCT va commencer à sentir, là on saura. On saura que la personne là n'est plus claire. Même dans son langage. On saura que la personne là n'est plus claire. Mais tant que la personne est claire, arrêtons de rabaisser les autres. Bon, bref.
Joe Bid. Bah, il doit la ce qui a tiré, ce qui est bouton, ce qui est nino, c'est-à-dire, c'est Wesui et Tamoukon, Moussou, c'est Wesui. Canalisation, bah, les bagnos, ça, là. Et c'est Wesui, l'essentiel que je montre au Congolais, ouais, Naina Joe Biden, là, à Sibi Kossim, Nangaï, ouais. Ma soubila, yo, mon père, ce soir, ma soubila. Là, t'as ma couche, ma pompère, ma soubila. Compétent. Bref. Je vais vous montrer un peu le visage de notre frère Djouf. On cherche un peu la vidéo de notre frère Djouf. Après, directement, je vais faire écouter les audios. Voilà, il est là. Vous allez m'excuser, ma table est un peu, c'est un peu bordélique. Parce que, écoutez... J'étais à table, hein. Rolia. Information Kochi. Bon, tout ça, bon. On va informer les Congolais. Comme j'ai dit ici, là aussi, les gens de UDH, j'ai un procès. C'est parce qu'aujourd'hui, là, on a soutenu Parfait Kolela. On est aussi dans ce problème-là. Mais c'est pas un problème de Parfait Kolela. Vrai comédien soldier souverain. C'est pas le problème de Parfait. Parce qu'aujourd'hui, si Parfait gagnait, si Parfait était encore en vie, je pense que nombre d'entre nous devraient être contents. Voilà. Mais aujourd'hui, que les gens ne prennent pas ça parce qu'aujourd'hui, on a parlé de Parfait, que voilà... C'est l'affaire de Kolela, c'est l'affaire de Kolela. Non. Voilà. Théodorine représente Denis Sassou Nguesso. Sa sœur Emeline Nchimba Kolela aussi représente Denis Sassou Nguesso. Donc on va aller les affronter le 3 janvier au tribunal de Pontoise, quoi. Voilà. Mettez-moi le cœur. Affronter. Désolé, mais bon, moi, ni table n'a pas d'un dame. La table, donc, n'a pas lié à l'information, donc, obligé, n'a pas la bino direct, n'a pas bino news. Voilà. Donc, le frère Djouf est là. Voilà. Après une bonne 1 heure de course, je vais décliner vraiment mon identité. Il n'y a plus rien de se cacher derrière une cagoule. Mon nom est Ghislain Ngani, vous voyez bien? Fils d'Ignace Ngani, un grand enseignant dans ce pays. Regardez mon bras. Pour ceux qui voient bien, voyez là, il est cassé dans tous les sens. Regardez, là, on voit ici. Est-ce que cela m'a empêché de faire ce sport? Non, je ne suis pas né comme ça. Ce bras a été brisé pour ces fils de chien que je me suis battu pendant toutes ces années, depuis l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, on est le 15 novembre. Hier encore, j'ai vu mon père sur une vidéo. Mon père qui m'a mis au monde, qui m'a donné toute cette force. Impossible de voir même à 1m50 devant lui. Et pendant que c'est quoi? Dans ma famille, il y a quoi? Il y a ceux qui sont même dans ce gouvernement de chiens. Il y a ceux qui c'est quoi? Des généraux? Des colonels? Tous ces trucs de merde. Est-ce qu'ils ont des enfants qui ont eu des couilles comme ça pour se battre? Non. Honnêtement, oui, le divorce a été sonné. Le Congo appartient à tous les Congolais. Regardez mon bras. Est-ce que je cours pour avoir des sous? Non, jamais réparé, comme ça. Regardez le fils de l'autre. Et ces bâtards, ils viennent ici se soigner partout. Même... Je dis simplement. Voilà. On va chercher encore la deuxième vidéo, désolé. Voilà. On va chercher encore la deuxième vidéo, il y en avait deux. Voilà un peu l'image de notre frère, parce que je vais vous faire écouter les audios, ça chauffe dans leur famille. Mais comme moi je suis le centre d'information, midi faille, tiens, le frère, il a attaqué là. On va reprendre encore une troisième vidéo. Ah ouais, bonjour à tous mes frères congolais, à tous mes soeurs congolais partout dans le monde. C'est votre frère, le soldat congolais. Ghislain Ngani, toujours, encore une fois, on est là toujours pour dénoncer.
tous ces gens qui ont opprimé toute la société congolaise. Moi, je suis témoin de beaucoup de choses, vous voyez. Un ancien enfant soldat, aujourd'hui, j'ai grandi, Dieu merci. Eh bien voilà, après l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 47 ans bientôt, dans peut-être 2 semaines. Alors, faites l'addition. 25 ans, 25 ans de souffrance, 25 ans d'emprise, multiplié avec quoi? Avec les prises de drogue, tous ces trucs de merde, pour maintenir nos cerveaux, que ça ne soit pas développé. Ils voulaient nous maintenir sous bas. J'ai perdu beaucoup de frères, beaucoup d'amis qui sont morts. Cela a commencé par des émeutes, nous. On a fait première barricade, deuxième barricade à Brazzaville. On a fait un état dans un état. On a emmerdé le pouvoir de Lissouba dans tous les sens, vous voyez. On s'est battu. À un moment, on était alliés quand même avec des ninjas. J'étais aussi ninja, moi, un jour, moi. J'étais tortue ninja, pour ceux qui le savent. Voilà. J'ai évolué dans les unités qui étaient en Tchoulé. Après, j'ai aussi évolué à Oyo, moi. J'ai fait au Zandongo Ngamba, Tchambicho, tout ce que les gens y racontent aujourd'hui, là. C'est nous, là. C'est nous, ces vaillants soldats. Voilà un parmi eux qu'on fait ces genres de trucs là, là. Ghislain Ngani, pour ceux qui savent. Alias Lucifer pour d'autres. Mais ça, c'est un vieux nom. Mais aujourd'hui, c'est un vrai lion qui est en face de vous. Un léopard, un tigre, un guépard, un vrai soldat. On est là pour dénoncer. Ah oui, aujourd'hui, tu vois, fils enseignant. Et que mon père, il a travaillé dur toute sa vie. Mettez le cœur, mettez le cœur. Son père a fait 2 fois les AVC. Regardez mon bras encore, mettez le cœur. Mettez le cœur. Dénoncer. Ah oui. Aujourd'hui, tu vois, fils enseignant. Et que mon père, il a travaillé dur toute sa vie. Bon, voilà, aujourd'hui, retraité. 2 fois, il a fait des AVC. Et aujourd'hui, il ne voit pas. À cause de quoi? Tous ces infidèles qui payent personne. Regardez mon bras encore, je vous le montre encore une seconde fois, qui est cassé. Pour prouver que non, ça c'est les couilles. Ils sont là à distribuer de l'argent à n'importe qui. Mais les vraies victimes, ils ne les voient pas. Il y a des orphelins là-bas à Brazzaville. Il y a des orphelins partout, du nord au sud, de l'ouest à l'ouest. Tous ces jeunes qui se sont battus pour soutenir tous ces dictateurs, tous ces politiciens. Que ce soit du MCDDI, du PCT, du RDC, du RDS, du RDPS, du UPADS, du RDD, tout ça. Ils sont où? Tous ces jeunes-là, nous autres-là, tous, on souffre. C'est eux-là qui mangent de l'argent. C'est eux et leurs enfants, leurs cousins, c'est eux qui règnent. À ceux-là, je demande aussi pardon à tous les Congolais, tous les Congolaises, partout là où ils sont. Ceux qui étaient opprimés. Parce que moi et les d'autres frères à nous, on s'est mis derrière tous ces politiciens. On était jeunes, nous. On s'est battus en pensant que chacun de ces politiciens pouvait être meilleur pour le Congo. Non. Tous, ils sont dans la même équipe. Comme l'équipe nationale de football, quoi. Comme dans le Diable Rouge, on va dire. La preuve. Ils travaillent tous ensemble. Ils ont récupéré qui ils peuvent. Tous les partis sont là, ils sont au pouvoir, ils sont au gouvernement. Et nous, les enfants, qui sont opprimés, les bras cassés, on a des frères qui sont morts, on n'a jamais trouvé leur corps. Il n'y a même pas un monument qui peut représenter tout le sang des frères qui sont morts au Congo. Tous les enfants, les filles, les garçons qui sont là aujourd'hui, ils pleurent leurs parents. Ils pleurent leur père, ils pleurent leur fils. Personne n'en parle. Ils sont partis chercher un vieux con, je sais pas qui, de Brazza. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il est mort depuis 1880, je sais pas. Pour faire quoi? Mais il y a des enfants de ce pays-là qui sont morts. Eh bien, nous, les rescapés, leurs frères comme moi, là, soldats congolais, je le témoigne. On ne laissera pas passer cette histoire. Et nos retraités qui sont souffrants. Je pense qu'il y a aussi des frères et des sœurs quelque part. Que leurs parents, ils vivent aussi les mêmes conditions que mon père, il vit. Aujourd'hui, il ne peut pas avoir même pas un mètre. Mais son fils, il s'est battu pour ce pays. Je demande encore pardon à tous les Congolais, les Congolaises partout là où vous êtes. On était jeunes, on était drogués.
On avait des ambitions, certes. Mais ces ambitions, elles étaient tellement enfantins que cette drogue qu'ils ont mis encore dedans, ils ont abusé de notre jeunesse pour leur règne. Et bien voilà, maintenant ce qu'on est. On a des bras cassés. Il y a d'autres, ils sont morts. Il y a d'autres, ils sont complètement devenus fous. Ils se sont alliés à l'alcool, à la drogue, à tout ça. Et Dieu est grand. Moi, je suis sorti dans tout ça. C'est pour cela, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je cours à fond la caisse pour donner la force à tous les frères qui sont couchés, pour donner l'espoir à la nouvelle génération congolaise de ne pas faire les mêmes erreurs comme nous, de ne pas se mêler dans cette vie. Pas 15 politiciens viennent vous mentir avec quoi que ce soit. Vous finirez comme nous. Et vous avez entendu de ne pas se mêler de cette vie. Philippe Maïki Zengi Abamatou Samuel, des étrangers comme ça, ils veulent se mêler de cette vie. Des étrangers comme ça. Matou Samuel alias Papa son chéri. Maintenant, pour ne pas aller trop loin, vous allez repartir même sur la page avant que ma page soit encore débloquée, désactivée. Parce que là, je vais créer encore une nouvelle page YouTube, une nouvelle page Facebook. Parce que là, nous sommes sur mon Facebook, le vainqueur des défis. Et je vais essayer quand même d'enregistrer. Je commence déjà à enregistrer quelques vidéos pour ne pas perdre les vidéos. Parce que là, j'ai perdu déjà les toutes premières vidéos qu'on avait commencées en 2016, 2015, tout et tout. Parce que les gens là mettent de l'argent, ils mettent de l'argent, c'est pas des blagues. Parce qu'ils savent que non, en laissant les vidéos comme ça, c'est l'histoire, voyez-vous. Donc, je vais vous mettre les audios, vous allez écouter. Parce que surtout, on est au cœur, on est entre leurs jambes, comme je vous avais dit. Je vais vous mettre les audios, entre temps, on a réchauffé encore Ami Tchopo. Parce que ton ami Tchopo, Nibaba Simbara Boyou. Il y a un agneau, comment il l'appelle, Mireille la fine, il s'est détaché, il s'est aussi boire dans le baron maintenant. Il va bien être sorcier. Il va bien être sorcier. C'est pas ça, écoutez. Hop, on commence. Donc là, la famille Ingani s'est fâchée contre notre frère qui a dénoncé, qui ne veut plus obéir. Vous voyez la pression, comment ils mettent la pression, au fait. Ils utilisent ta famille, ils utilisent tout le monde pour te mettre la pression. Si tu n'as pas l'esprit, tu lâches. Et contre le frère là, tant que le frère là ne va pas lâcher, il va continuer à dire la vérité. Ils vont commencer par la corruption. Si sa vidéo qu'il avait fait, puisqu'il demandait de la réparation, si l'argent qu'on va lui proposer pour lui, ça serait bon, qu'il va se taire, tant pis. Maintenant, s'il refuse aussi l'argent, et où il prend l'argent, il fait comme Wagé, à Kelle, bon, ils vont chercher maintenant à l'assassiner, à le tuer. C'est tout ce qu'ils savent faire. Je vais vous mettre les audios. Donc, toute la famille est en train de s'acharner sur le frère. Mais comme nous, on est au cœur de l'histoire. Donc, à chaque fois qu'il y a un truc, on dit, tiens, Faye, tiens. Je vais vous faire écouter les audios. Et puis, il y avait un frère aussi qui m'a appelé. Je sais pas, il travaillait dans quelle société, là. Il m'a appelé quand on était en réunion. Ce compatriote, la société qu'il travaillait, c'était une société, je ne sais pas, des Français, ou je ne sais pas comment. Du coup, je viendrai vous expliquer, puis il va intervenir. Ce frère réclamait ses droits, comme il connaît ses droits, le patron l'a emmené au niveau de la justice. Au niveau de la justice, avant d'arriver au niveau de la justice, on l'a enfermé, donc on l'a mis en prison pendant 18 mois. Sans pourtant d'avoir été jugé, sans pourtant qu'on sache s'il avait raison, il avait tort. On a arrêté ce frère pendant 18 mois en prison. Après les 18 mois, le frère ne lâche pas l'affaire encore. Il continue à mettre la pression. Et pendant le jugement, il gagne le jugement. Et le blond, le français, qui devrait payer les dommages et intérêts, Abimi gagne puisqu'il a... Voilà, vous connaissez la justice du Congo jusqu'à présent. Les dommages intérêts, rien. Et le frère a fait 18 mois en prison. Comme ça, gratos. Voyez-vous? Bon, je vais vous mettre les audios, le temps qu'il a réchauffé, paye. Ma boumou. Ma tout Samuel. Yo, quand on a là, 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 on a là,
On a parlé de yo. Nous là, dans la bateau. Mettez-moi les. Laisse écouter les audios le temps que je réchauffe encore ma bouffe. Parce que là, on lit information. Quand on a papolé direct, on a fini le bouton rouge à aller. Benda. Je vous mets les audios, vous allez écouter. Avant que moi, Noël Obima, ma fille là. De toutes les façons, il faut aller à la paix bientôt heure. Yo, attends, quand tu as téléphone, mais sache une chose que toi, tu deviens fou. Yo, il est bouma. Tu n'es plus normal. Oui, mon Dali Bouma. Du moment où je te dis que non, tu es rejeté d'office dans cette famille, tu es rejeté totalement. Oui, mon Dali Bouma. Oui, c'est normal. Oui, mon Dali Bouma, na mutuna. Yo, attends, mon Kenya qui cobra, famille, mon Tetina qui cobra. C'est les Ingani qui t'avaient demandé de choisir le chemin d'être cobra. Hein? Maintenant, ça qui dit bon, on est au bébé, on a qui cobra, mais c'est ton choix. Pendant que Manila va au Kenya à l'école, yo, bouillé à l'école. Comme le fan à papa, notre lande, on a pas de goût, au bilamba, du fait alors, au Kenya, au Bouna, tu m'as dit, Congo. Maintenant, tu es en train de payer tes pots cassés, yo, n'y va pas subir pendant un. Pourquoi tu ne veux pas payer ton karma? Tu as tué les gens. Là où tu es là, tu n'as même pas eu. Tu n'es pas en paix. Tu as harcelé mystiquement, moralement, divinement, tu as harcelé. Parce que tu n'as jamais eu de ma. Est-ce que tu as eu de la chimie? Ah bon? Mais toi, pourquoi tu es en train. Ah bon, juste, je vais couper d'abord. Parce que les audios, c'est mes audios. Bon, va dans la boyoka. Ouais, l'ingité, je suis déconnecté à vous là. Bah, audio, Zali. Tu as commenté à moi, ok. Ah bon? Au fait, eux, les Ngesso, ils reconnaissent aussi que non, quand tu as tué, quand tu as le sang des Congolais entre tes mains, tu n'as plus une conscience tranquille. Tu deviens tourmenté. C'est comme ça les Ovadou sont tourmentés. C'est comme ça les Matou Samuel, papa, son chéri, sont tourmentés parce qu'ils ont le sang des Congolais, l'argent qu'ils ont pris. Voilà qu'on est en train de dire à l'autre. L'autre, au moins, il est venu demander pardon. Mais ceux-là qui ont nargué les Congolais, les Matou Samuel, les Ovadou, les filatures qui ont tourné le dos sur ce combat, venez demander pardon. Toi, vous n'allez pas demander pardon. Vous serez aussi tourmentés si eux-mêmes, ils le disent, la famille de ces Mboshi-là. À 16 ans, il a été manipulé, il a été utilisé. Vous êtes d'accord avec moi? Bien que, à 16 ans, chacun de nous a une façon de réfléchir, c'est pas comme d'autres aussi. Parce que moi, à 16 ans, nous, à cette époque-là aussi, on n'a pas tenu des armes. Hein. Nous avons vécu toutes les guerres au pays, mais on n'a pas tenu des armes. Le problème aussi, c'est l'éducation aussi. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai grandi dans le quartier qu'on appelle Colombie. Donc, avec Mpila, on est pratiquement, excusez-moi juste une minute, c'est bon à choix. Tu nous as bien réchauffé. C'est bon à choix. Pour nous aider, Batouté, on nous fout à la mort, nous un peu pression. Pour nous faire, il faut s'en aider. Nous te réchauffer dans la ville. Bon, bref. Donc, je vais te blaguer. Moi, je respecte vous qui nous suivez. Donc, eux, ils reconnaissent que leurs enfants sont tourmentés parce qu'ils ont tué, parce qu'ils ont le sang des Congolais, parce qu'ils ont fait du mal. Est-ce que vous comprenez? Comme je l'ai dit, moi j'ai grandi dans le quartier on appelait Colombie. Là-bas, Ndenge, il avait eu des baffes dans notre quartier. Le quartier Colombie commençait de Rumboshi, Rumboshi Bis, Rumakoko, Rubakukuya. À Rubonza, on ne vendait pas vraiment la drogue, mais c'était un peu. Mais les ruelles que je viens de vous citer là, on vendait la drogue matin, midi, soir. Des grands dealers. Ok, et à Rubonza, tu vas quand tu traverses Miadeka jusqu'au fond, vers le sans-fil là-bas, tu as Chendengue. Et c'est soi-disant les autorités, ils étaient au courant, mais moi, j'ai pas vendu la drogue. Moi, j'avais des amis quand on avait 17 ans, 16 ans, qui avaient déjà des taxis, qui faisaient, qui vendaient la drogue, qui dealaient. Mais moi, j'ai jamais dealé. Mais par contre, je suis gros. Au fait, ma mère m'a pris le commerce, les affaires. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Moi, j'ai vendu tout. J'ai vendu tout. J'achetais même
des bidons de 25 litres là. J'achetais des fûts et je venais vendre des bidons de 25 litres de pétrole. Moi, je l'ai fait. J'étais taximan. Mais quand j'étais chez mon père, c'était autre chose. Ça, c'était... Le vieux là-bas, il est à l'aise. Chez ma mère aussi, bon, voilà. Mais chez ma mère, j'ai une vie de combattant. Bref. Donc, c'est pour vous dire combien de fois, si on est en train de dire l'autre est tourmenté, combien de fois ceux qui ont bouffé de l'argent, qui sont en train de nous narguer, vous et nous là, ne leur voyez pas comme ça, ils sont tourmentés. L'exemple est seulement avec Matou Samuel. Papa son chéri alias Rostel Bakwa. À chaque fois qu'on lui donne l'argent, on lui chasse de la maison. C'est ça la malédiction. Là, on a donné l'argent, on l'a chassé de la maison. L'argent fermé. Paris ne tombera jamais Frédéric Banzinga. Jamais de la vie. On l'a chassé de la maison. Là, il passe ses journées maintenant à l'ambassade. Lui qui bombait le torse. Oui, je suis né ici. Alors qu'il n'est pas né ici aussi. Oui, je suis français. Je suis français. Les femmes sont des sans-papiers. Mais un vrai sans-papier qui est chez lui, qui bouffe. Qui est tranquille avec sa petite famille. Toi, t'as plus de maison. Ok? J'ai dit à ta chérie, comment ça s'appelle? Amadou Sow, de se taire, de se calmer et de se concentrer de sa vie, de régler un peu des problèmes avec sa femme, d'oublier un peu d'être, de donner le derrière. Parce que lui, là, on a deux étapes encore à rajouter dans sa vie. Qui fera ce qu'il devienne même fou dans ce pays. Il doit se calmer. Moi, je vous avais dit que Yewana a ressenti qu'il n'a qu'il n'a qu'il Bounzambi. Les Kamboya au côté des Congolais ou a ressenti qu'ils m'ont témamabé. Voilà. Donc, ils sont tourmentés, chers amis, chers compatriotes. Ne les voyez pas comme ça. Donc, je vous laisse écouter les audios. Nous avons trois audios encore que vous n'avez pas encore écoutés. Donc je vous laisse écouter le temps que je suis en train de manger. Pendant que ma n'a pas tenu l'école, je vais à l'école. Combien de fois papa notre lande a tiré un pilon, on a pas notre gueule. Oh bilanga du feu là, le okina au bout de la tumbatine à Bakongo. Maintenant tu es en train de payer tes pots cassés, je ne vais pas te voir subir pendant un an. Pourquoi tu ne veux pas payer ton karma? Tu as tué les gens. Là où tu es là, tu ne mets pas, tu n'es pas en paix. Tu as harcelé mystiquement, moralement, divinement, tu as harcelé. Oh. Parce que au moment où tu as dit que 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 tu as dit. Tu n'as même pas chez toi, Brazzaville. Ne pense pas que là où j'ai acheté la parcelle de ton père, là, toi tu vas te mettre pied là-bas, là où tu as moutou, là où tu as moutou, là où tu as. Mais toi tu es malheureux, toi. Tu vas laisser les enfants là, trop malheureux, tes enfants que tu es en train de pondre à tout moment là. Au côté, on va malheureux. Toi-même, tu es trop malheureux aussi. Djouf, bonjour, Justin, il n'y a pas appelé. Bon, tu sais, j'avais promis de t'appeler. Je t'ai pas appelé parce que j'ai senti qu'il y a quelque chose qui revient encore en toi, là. Djouf, bonjour, Justin, il n'y a pas appelé. Bon, tu sais, j'avais promis de t'appeler. Je t'ai pas appelé parce que j'ai senti qu'il y a quelque chose qui revient encore en toi, là. Et hier, avant-hier, quand moi je t'appelle, j'étais avec Pa Frédéric. Et c'est ce même pas Frédéric Lamotatimi, papa Nombon, avant Iyayakawa. Quand on va te foutre son bébé à lunettes. Si tu demandes à André, on va te le dire. Tu racontes des bêtises sur les gens, que non, bah, tu vas se faire papa, non, va finir à papa, non, toi, tu n'es pas sérieux. Tu n'es plus normal. J'ai l'impression que le Zongé, il subit là, on a un autre bail qui va là. Au Zongé, il y a une politesse, non, parce qu'attitude au tennis d'avant-hier, il est en mode. Jamais de te rappeler que yo tinda papa ngombon ou bien tinda papa ngokoli moko bien kado moko be rien. Jamais. Papa n'a pas battu ma idée qu'il y a un rabis ou un déconnaï. Papa a un tapis. Confusion et. Papa fait la même maintenant à l'hôpital. Merci. Dernièrement, il était à Tantine. Confusion. Tantine, ça ressemble les mêmes voitures. Toi, tu racontes n'importe quoi sur les gens. Aujourd'hui, tu mal poli dans les sous. Yo, bang à battre tes gislan. Conclusion.
Là, je suis le gars. Merci, moi, la cachopa. Merci, Faya. Jaouis. Ma papa a contacté l'hôpital. Mota a s'occupé de Motatina. Inès Mota, personne bon. 1 million. Papa, on a contacté l'hôpital. Pas s'occuper de pas faire les autres qui n'ont pas besoin. Comme même l'hôpital, vous donnez ça. Qu'on s'occupe d'un anniversaire, et tout va passer en bon, papa n'a pas l'anniversaire. Mais toi, tu commences à manquer encore de respect encore envers tes oncles petits. Yo, on a fini la ma bébé, on a pas de beauté, mais les bilans, yo, quand si ceux qui ont pollué envers, tu es nain à Rosunda. Au Bosani, quand tu étais parti à Brazzaville, parce que nous sommes au Yahoo, on a un pote, on manque un respect. Nathalie, si ma reba à moi, on a un ça aussi, on a un peu de temps à faire. Mais tu manques encore de respect, par le langage aux obtenir ou à les amboter. Ça, disons que tu vas te passer papa. Non, papa, on a fait la grande le pain, on a un peu de temps. Ben, yo, somme et le pain, yo, pèse et mon, yo, tu n'as rien bon. Petit, manque de respect, non, non, toi, n'en peux plus m'appeler, ne m'appelle même plus. Tu es un polita, toi. Tu es toujours un poli. Et je ne fais pas l'objet d'une conversation écrite ou bien parler avec toi, entre toi et moi. Raisonner quand Magnon a quand même lobby et puis comprendre quand que nous y sommes bébés là, c'est tout. Il continue à guider dans la cage. Bon, papa Père, vraiment je vais être franc avec toi. Là, qui audio non est tout Tindi, tout ça là. Je vais te dire un truc que peut-être que toi, t'as la conscience courte. Dans la formation, une formation photocopieuse, donc ça veut dire que photographie mémorique. Donc ça veut dire que tu n'as pas le droit d'écrire, ni d'avoir un stylo, ni d'avoir une feuille. Mais tout ce que tu vois dans tes yeux, il faut retenir ça. Donc j'ai un mémoire photographique. Tu sais, quand j'étais cobra là, toi, tu fais partie des gens qui m'ont dit, yo, il faut l'ongola comme on abuso, parce que tu nous fais la honte de notre famille, le fait que tu portes ce nom cobra. Bon, maintenant, je reviens avec toi, pourquoi ma réaction elle est dure comme ça? Parce que là, t'es encore en train de diaboliser les gens, comme ceux qui ont pensé toujours que non, la drogue, de ce qu'ils nous ont foutu dans de la bouffe, le café, tout ça là, et n'abose à l'éternel, non. Et un être humain, n'zambaza mon aîné. Tôt ou tard, les hommes finissent par se débarrasser des chaînes de l'enfer. Moi, je ne fume plus, je ne me drogue pas, je ne bois plus. Donc, c'est franchement, c'est un franc parler. Au contraire, c'est même bien, ça fait du bien que mon toit a retrouvé mémoire. Mais moi, la zone soit très loin. La tombe à barricade. Peut-être qu'il y a Bossani, mais non, la Bossani. Bon, maintenant, on va avancer. Le fait que Bissot a gagné la guerre en haut, hein, est-ce que on s'est pélipété? Tel à côté, il y a commis. Si nous avons fait la gare à soin, ah, le arbre n'a pas tout à bruit. Bon, si c'était le Souba, ou bien Koléla, je ne pense pas que tu seras ici, là où tu es là, content, bazar ou soigné. Donc, Ngaï, on a fait un jeu, on a diabolisé, que vous parlez, on a dit, on a dit, on a dit, bon, tous ceux qui règnent, ils ont un gouvernement, ils ont un galant, je ne sais pas comment. Bon, bref. Moi, j'ai un an, j'ai 4 ans, j'ai un tour, 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 qui a déjà plaidé pour moi? Parce que quand tu dis oui, tu donnes même rien à ton père, oh les enfants, j'ai un tour pour toi, j'ai un tour. Qui m'a aidé? T'es même parmi les gens où le but que non, vu que nous avons un tour, que nous avons un tour, que nous avons un tour, peut-être que non, au coup. Vous m'avez toujours souhaité du malheur. Batoba Bomamoto, Mingi, proche, c'est les parents les plus proches. C'est tes propres parents qui ne te valorisent pas parce que vous avez honte de reconnaître que non, Moninga, mon Moninga a Bounzi, a Bounzi, a Bounzi. Lui, il a des petits-enfants ici qui vivent ici, qui sont français. Est-ce que Yozana Mona Awa, ou Aza français, n'est-tu pas na Ignace? Toi, tu crois que les miettes que vous lui donnez, on va pêcher si ça paye 1 million. On va pêcher ce qui vous. Bah, ma lunette. Mais toi, est-ce que. Ça te fait pas plaisir d'être là à l'Institut française ici, bah soigner que yo. Bah tu me suis même pas dans le Mikanda. Ils ont négocié avec leurs neveux, même bah tu me sois bien à Gakoko. T'es allé même au-delà de courser aller avoir une nationalité française. Regarde, moi j'en ai 5 enfants.
Hein? Marié même pendant 11 ans. Je ne suis pas pressé dans ce genre de trucs-là. Bato tout au Bazanambango, c'est ceux qui sont pas sûrs d'eux. C'est pas parce que tu mets des trucs tout le temps, Dieu, 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 Dieu. Non. Parfois, à deux fois, les gens qui en parlent plus, c'est ceux qui en font peu. Moi, j'ai des couilles, Nabunda et Tumba. Si toi, tu me reconnais pas, mais le Congo entier me reconnaît. La dernière fois, ta soeur, là, elle avait un problème. Quand tu as appelé le pasteur, là, pourquoi tu n'as pas dit, non, Nabotine, d'ailleurs, j'ignore ton fils, à qui n'a pas intimidé. Pourquoi lui, Nabotine, moi, Nabisso, Lucifer. Si tu passes pas ce message à tout le monde, l'audio, là, je vais aussi le garder pour moi. Et maintenant, je vais même le publier aussi sur Internet. Oyayo, Nao, Ngaï, Nabotine, ensemble. Puisque vous ne voulez pas me donner du respect. Donc, ça veut dire que si nous, on n'avait pas combattu, vous aurez eu tout ce que vous avez là. Je te le souhaite pas. Tous ceux qui ont comme la chef, vous avez vu, est-ce que Bino Romana va pas subir sur ton monde dans la Badzamba, Golala, la Badzamba, tout ça là. Dis-moi, est-ce que tu sais c'est quoi comme souffrance? Si tu connais pas les souffrances des gens, raconte pas. Ça c'était un passé. Moi je vais avoir 47 ans. Et je suis pas un petit, j'ai des couilles. Ma comment la salle à la vie n'a na oyo sala tu peux comparer. Ce que tu as fait, ya yo, on a la sali, yangaï. Ça se compare pas du tout. Yo so la la mi bembe. Oboma ba to combien la mindoki. Est-ce que tu sais ce que ça fait un stress post-traumatisme na moto a moni bi bembe ou bien la moto a participé guerre. Tu ne sais pas. Le Congo, il est le seul pays au monde. Oyo basala ta ou non examen psychologique pour la bateau à Bunda et Tumate ou bien orientation. Non, on nous a délaissés comme ça comme des chiens. Alors toi tu crois que qu'est-ce qui allait se passer? C'est sûr que un jour même Batemsou à Koufi, un jour il y aurait toujours eu Bato Oyo Bangaikpe Kozana colère. Les bêtises Bama Salanga Batika Babanana Bakomala ba 25 ans Bala Bakoko. Le temps qu'on a ça peut s'enwata stylo à Pamba. Rien. Ceux qui en bénéficient, c'est d'autres personnes comme vous autres là, l'ensemble de tout ça là. Et là, toi, tu t'es là, avec quel courage tu m'envoies un message au nom, papa d'ailleurs, tu me dis des lunettes, oui. Est-ce qu'on peut envoyer des lunettes à une personne si se fait pas examiner dans un hôpital? Hein? Pourquoi toi, on ne te traite pas à distance aussi? Papa Frédéric, il est venu ici aussi, pourquoi? Comment la banane, c'est vrai, c'est aussi pour revoir aussi sa santé. Pourquoi lui, il est interdit? Il y en a moins, enfin, d'accord. Moi, ça fait plus de 22 ans que je vis ici. On se regarde mon colombo, le bino, il n'y a pas moi la moto. La pêche, même 1 euro. Bon, là-bas, il y a des gens dans mon canda. Ou bien ça, la bota bango. Bah, ça, mi canda. Non. Et c'est la dernière fois que tu te mets de parler de la vie de ma famille si tu n'as pas contribué à un pépinière. Parce que c'est quoi? Parce que impolitesse nabino, bino motoza impoli, même naza gentil nabino, je vous parle avec délicatesse, puis vous prenez les autres pour des chiens. C'est quoi ce bordel? Après ce message, n'essaye pas d'écrire un message de quoi que ce soit qui famille. Mindele même ma famille, bah, n'a rien à foutre. La famille, c'est ton père et ta mère. Oh, Zanango, c'est tout. Ce que vous faites pour votre frère, c'est bien. C'est pas vous qui diabolisez mon père. Oh, Azalaba Nebele, Ozalaba le Kolaba, y'a papa d'ailleurs, tout ce que tu racontes, tu parles à un enfant ou tu parles à un adulte? Maintenant que je ne prends pas ces conneries là, que le bimbang et tout ça, c'est infini. Ce qu'on n'y a pas, tu n'as même prise de son, l'action, ce qui va au moins, gamma GT, ou bien Makamona, na drogue, na katamakila, l'angai. Pour que tu sois maintenant peut-être rassuré de côté là où tu es. Arrêtez de diaboliser les gens. C'est comme ça qu'on nous a diabolisé. Et que même mes amis qui sont au pays souffrent. Et ceux qui gagnent, c'est des nyama nyama qui viennent de partout, partout là. Vraiment. Ceux qui sont là, ils ne veulent même pas entendre parler de nous. Voilà, mmh. Ce message-là, c'était vraiment pour toi, papa Péa. Et tu pourras le partager avec l'ensemble de tout. Bah, tu de quoi, famille, y'a Yon, Abusso, Okebozo, le Bagama B, que vous ne pensez pas qu'un homme peut changer, que Dieu est grand, tu es puissant. Et il est miséricorde. Amen. Ce que les hommes ne donnent pas aux autres, lui il donne. Il te donnerait tout ce que tu veux si tu crois en lui. Pas que quand vous mettez des trucs là dans tes dos. Pourquoi tu ne vis pas au Congo? Prends-toi à Dieu. Moi je suis pour rien, je suis un être humain. J'ai souffert pendant 25 ans de ma vie. Et jusqu'aujourd'hui, il y a une preuve sur moi. Mon bras il est cassé là. Même la France a reconnu tout ça. Au Congo, pas de reconnaissance. Même bateau Bazana Bandeko. Net bisotozana bangote, ils sont reconnus. Et moi, je viens d'une grande famille. Toi, tu veux que je ferme ma gueule? Mais t'étais pas bien. Oh.
Mon frère. On l'avait pas moi. C'est un confusion vraiment. Youf, lis le verre. Donc, bon. Moi, je suis un bien. Formation coach. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Parce que tu as un peu plus de temps. Comme si tu as abonné à la page, non. Bah yoga. Youf, mon frère, t'as raison. T'as raison. Youf a même dit ici là. On va pas donner des pistes. Ils ont acheté des grossesses ici là. Ils ont dépensé des millions d'euros là. Des milliers d'euros pour avoir des papiers. Ils font des allers-retours. Il a dit à son propre oncle. Pourquoi toi tu ne fais pas soigner au Congo? Tu es ici, on te soigne ici, non? Est-ce que tu as des papiers d'ici? Hein? Ça ne te fait pas du bien. Nous, on a ramené le pouvoir là. Entre les mains de Sassou. Mais nous, ils nous ont oubliés. Et ils cherchent à nous tuer. Vous, aujourd'hui, mes soeurs, mes frères, mes tantes, vous êtes en train d'en bénéficier, non? Regardez. On a vendu la même dossier. Fanatique Abino. Qu'est-ce qu'il y a quand t'es malamou? Notre question. Fanatique Abino parce que il continue à manger. La roulie va passer une information. Fanatique Abino information. Donc, IDH UK, j'ai un procès le 3 janvier. On a besoin de votre soutien. Voilà. La façon qu'on a soutenu parfait là. Si Parfait est encore vivant là, et que ça, Parfait prenne ce pouvoir. Bino, mon tour, vous allez bien. C'est pas les failles. Là, on va aller faire face à face avec Odorine, Emeline, Simba. Ah, d'accord, merci, ma tonne, ma mingue. Ceux-là qui ont cru que Sassou allait leur récompenser. Donc là, eux, ceux-là, les filles-là, les deux sorcières-là se focalisent sur le procès du 3 janvier. Parce que s'ils réussissent, donc ça va leur récompenser. Parce que vous savez très bien que il y en a eu combien de procès? 123 procès que j'ai gagné. Ça, ça serait le 124e procès. Jamais perdu. Les amendes que j'ai eues, qui ont été majorées jusqu'à 6 000 avec les 30 000, c'était les procédures judiciaires. Donc, quand il y a des procédures judiciaires, à la fin, tu dois payer la justice parce que la justice a mis les enquêteurs, a mis ceci, a mis cela. Voilà pourquoi j'ai 6 000 euros plus les 30 000 euros de l'ambassade que vos dirigeants, apparemment vos autorités irresponsables, veulent me racketter pour donner, pour payer un peu leurs salariés, pour... C'est comme ça qu'ils veulent racketter. Voilà pourquoi ils ont voulu racketter même les étudiants. Alors que depuis 2018, il y a des étudiants qui n'ont pas reçu leur bourse. Ils ont dit, bon, non, maintenant en 2022, ils deviennent déjà des fonctionnaires. On ne peut plus payer la bourse de 2018. Des racketteurs, des voleurs. Tout ça là encore, c'est sur la tête de qui? De Coline Makosso. Ils finiront par te sacrifier ou t'empoisonner. Comme ils ont empoisonné tes frères Mwamba. Et l'autre, dites-moi le nom, celui qui était décédé là, il était un peu court comme ça là. Comment il s'appelait là? Il est aussi dans l'horloge. Tata Kevin Samba, rendez-vous le 3 janvier Mbouta.
Ça, c'est un vaillant combattant, un vaillant résistant. Le jour qu'on a pris la place Venezuela en 2016, quand ça soit dit qu'il a gagné les élections, ils ont voulu fêter sur la place Venezuela. Et ils étaient bien protégés par les CRS. On était à l'époque, moi, Donald, Abraham, Harold, Georges Passy. On était à 5, à 4, à 5. On est arrivé, on a dit le feu. On est allé acheter les... À l'époque, on est allé acheter... Il y avait une épicerie en sortant juste du métro Victor Hugo. Il y avait une épicerie quelque part là. On est allé acheter des bières de 50 euros. On a renversé les bières. Deux fois, on n'arrivait pas à ouvrir parce qu'on était trop pressé. Il fallait récupérer la place Venezuela. Nous avons pris des bouteilles de bière. Nous avons mis dans nos poches à 5. On a dit on va aller affronter les gens qui veulent prendre la place de Venezuela parce que c'est la place de la résistance. Il y a eu des projectiles, des bouteilles. On s'est battu. Et le frère que vous voyez là, Kevin Samba, que je salue, sortait du métro, lui venait, il croyait que c'était une manifestation. Donc comme il aime jouer au tam-tam, il avait son tam-tam. Dès qu'il sort du métro comme ça là, il voit que nous on était des gens pleins de bagarre. Il récupère un innocent qui passait, mais qui revenait, qui partait dans le sens de là où ceux-là qui voulaient fêter des Nguesso sur la place Venezuela. Donc il récupère le gars, il prend le tam-tam, il le frappe, il le cabosse le visage, le sang. C'était chaud. Et je me souviens quand même, Héros jeune maître avait donné des baffes à un grand. Et qui est bien après, il est rentré t'attaquer. Quand tu peux connaître le doigt, bien après, il était même rentré chez les indigniers. Ou il était déjà rentré, il était au début. Donc il venait de rentrer chez les indigniers. À l'époque, c'était tout feu, tout flamme. Il voyait le doyen, personne ne le reconnaissait. Et on a dit donc celui-là, il partait pour fêter aussi avec les autres. On l'a récupéré, Bram Hérode l'a récupéré, il a donné des baffes. Et quand il s'est rendu compte, il parlait lingala, on dit, mais toi, tu refermes. Oh non, mais moi, je savais que les indigniers. Ah, trop tard, on a demandé des... Parce qu'à l'époque, on était vraiment tout feu, tout flamme. Voilà un peu une petite histoire. Et je salue aussi notre ami que les gens ne connaissent pas vraiment, que les gens n'ont jamais vu sur les écrans. Quel est Destin, Desti, voilà, quel est Desti. Celui-là aussi, qui a eu aussi des amendes avec nous par rapport à l'affaire de l'ambassade, parce que lui, il était venu pour, on l'avait dit que, bon, je ne vais pas donner des détails ici, il était venu récupérer sur le lieu du crime. Voilà. Je le salue là où il est là-bas. Bien que lui aussi à Bungimanzela, il commence à soutenir un peu un charlatan qui vit à Orléans. Il commence à soutenir les affamés de l'ambassade. Mais c'est pas grave. On est ensemble, je vous laisse, je vais continuer à manger. On est ensemble, maman Thérèse Makombo, bonsoir, bonne soirée à vous. On est ensemble. Kusuma Vungu, merci maman Kusuma Vungu. Lui aussi il a été sacrifié. Toi aussi on va te sacrifier, Coline Makoso. C'est-à-dire tu es surchargé. Tu es surchargé. Ce qui est Kusuma Vungu, lui aussi il a été sacrifié. Coline, comment on appelle Mwambo, ça a été sacrifié. Au fait, tout le bordel que les quelques Mboshi foutent, c'est toi et les Thierry Mungala qu'on a donné cette responsabilité de nettoyer. Eux, ils viennent voler, ils viennent piller, ils foutent la merde. Jean-Jacques Bouya foutent la merde. Toi, on te met toujours là comme je ne sais pas comment. Tu es là, tu viens, tu rédis ce qu'on t'a demandé de dire. En fait, vous n'êtes que des échantillons. Ils finiront par te sacrifier. Pour moi, tu es un intellectuel perdu. Et si un intellectuel ne sert pas son peuple, c'est pas un intellectuel, c'est un qui zingue. Voilà. Tu n'es qu'un qui zingue. Ils finiront par te sacrifier comme les Kusuma Vungu. Tu partiras. Les Mwamba, ils ont sacrifié Mwamba. L'autre qui vient de quitter le ministère de Finances, il a vu le danger de loin. Il voyait le danger de loin. Son frère aussi a été sacrifié ici en France. Ils ont assassiné son frère avant d'arriver là-bas. T'as rien compris. Les enfants Ingani qui sont d'Oyo. Vous ne comprenez pas les Bakongo là qui sont là à faire le sale boulot de ces gens-là. Vous ne comprenez rien.
Mais vous en faites pas, ils vont vous nettoyer le moment venu. On est ensemble, je vais continuer à manger. Bonne soirée à vous. On a besoin de vos aides, 5, 10, 20 euros. Ça va vraiment nous aider. On va affronter le 3 janvier 2023, tribunal de Pontoise, à 9h. Voilà. Et je suis le vainqueur de défi. Parce que Théodorine et sa sœur, pour eux, ils doivent gagner. Au moins pour que Sassou, Alobake, non, ils ont fait tomber faille. Parce que quand même, jusque là, depuis avant-hier, on est là. Faille vient prendre de l'argent. Faille vient ceci, fait ceci. Est-ce que vous comprenez? Nada. Mais Théodorine, aux années niveau assez, aux abouis. Emeline, Timba, aux années niveau abouis. Mais dites-vous, Bobel a mis tout dans beaucoup. Moi, je vous avais dit, les autres, vous aurez des maladies incurables dans ce combat-là. Moi, Faye, tant que je ne vous fais pas du mal, tant que je dis seulement ce qui est vrai, et que vous vous complotez pour avoir ma tête, même ceux-là que je ne connais pas, même ceux-là que je n'ai pas encore les noms, vous finirez pas là, vous sortirez pas de ça, vous ne sortirez pas là, dedans, sans pourtant qu'il n'y ait pas l'impact. Impossible! Les autres m'appellent par sorcier. Vous aussi, vous allez m'appeler par sorcier. Vous ne pouvez pas sortir de là. C'est-à-dire intact. Impossible. Impossible de la vie. On est ensemble. Allez, bonne soirée. On est ensemble. Je vous aime tant. Ingeta. Itu quoi. Ok, Tata. Kevin, on est ensemble. Merci, Soldier.